dimanche après le JT de 13h. Notre corps a régulièrement besoin d'éléments nutritifs pour sans cesse se construire et se construire encore. Tout ce que la nature a prévu pour nous bâtir un corps solide est dans le fromage Danone. En septembre, Danone vous offre gratuitement 20% plus sur son fromage frais. Le fromage Danone, ça vous reconstruit. Da-da-da. Saisi d'une royale illumination digne de sa géniale majesté, Guillaume Ier de Hollande rêva soudain de relier la Meuse au Rhin en creusant un canal qui traverserait la crête des Ardennes. De 1828 à 1830, on perça péniblement un tunnel de 2 km avant de léguer aux truites et à la flore aquatique ce merveilleux tronçon, fleuron ancestral des grands travaux inutiles. C'était un petit bout d'histoire en compagnie de Brice Pyramide de Johnson. Da-da-da. Pyramide de Brise, la beauté d'une forme pure, la fraîcheur raffinée d'un jardin enchanté, le charme d'un parfum magique à respirer voluptueusement. Pyramide de Brise, un parfum de mystère. Brise, changez d'air. Voici monsieur. En une semaine, il a gagné plus qu'un ministre en un mois. En effet, vous pouvez gagner jusqu'à 409 000 francs pendant les portes ouvertes chez tous les dealers Subaru. Vous aussi, amis téléspectateurs, vous pourrez jouer avec Double 7 et remporter de superbes cadeaux tous les mardis. Pour cela, il vous suffit de répondre aux questions posées au cours de l'émission, questions que vous trouverez aussi dans Télépro Magazine chaque semaine. Un simple coup de téléphone au 077 077 700 après l'émission et bonne chance. En collaboration avec Télépro Magazine. Le mystérieux Jeffrey, tout en essayant d'échapper à des assassins, recherche son fils qu'il n'a jamais connu. À qui est morte? Tu me l'as raconté toi-même, elle est morte en mettant ton fils au monde, tu l'as oublié. Mais je n'étais pas là, moi! Peut-être que c'était un mensonge, que c'était un coup monté pour se protéger, ça tient parfaitement. Oh, il est 3h du matin, mon sang, tu as rêvé et tu as trouvé d'accord, ça. D'accord, c'était un rêve, mais je suis réveillé maintenant, elle est ici. Riez comme si on était de vieux amis et que je venais de vous dire une bonne blague. Ne manquez pas l'épisode pilote de Raven, demain à 16h20 sur la Une. Ce disque est vendu au bénéfice de Cause Commune ex-Yougoslavie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est pour les pompiers, c'est pour la gendarmerie, c'est pour la police, c'est pour la TVA. Les commerçants en ont ras-le-bol d'être sollicités régulièrement par des délégués pas toujours très nets. Alors, carte sur table, réunis autour de cette table des commerçants, le commandant des pompiers de Huy, le porte-parole de la gendarmerie et le président d'un syndicat, l'Union des Finances. Tout de suite, reportage Véronique Fievé. Monsieur Delcroix reçoit depuis plusieurs mois de très nombreux appels téléphoniques. Chaque fois, l'interlocuteur anonyme lui propose d'insérer une publicité dans la revue des gendarmes, du personnel des contributions ou de la police. Bref, difficile de dire. Demander un document. Oui. D'accord, mais en tout cas, vous pouvez les rassurer, ils peuvent dire non et oui, ils n'auront pas de problème absolument avec la gendarmerie. Il faut pouvoir dire non et il faut conseiller aux gens de porter plainte. Je vous remercie, colonel. Voilà, c'est la fin de cette émission. Eh bien, c'est un sujet assez passionnant sur lequel nous aurons peut-être l'occasion de revenir. Dans un instant, le quotidien des sports. Tout de suite, avant de vous quitter, notre adresse, carte sur table, passage de la Bourse, 6000 Charleroi. Voilà, tout de suite, après procureur, c'est laboureur, le temps d'une pub. Bonne soirée, merci. Dans un instant, le quotidien des sports, en direct et sans filet. Pub. Pour 999
25 francs par mois, rompez les amarres. Canal Plus, ça va vous changer de la télé. Le paiement en liquide peut vous mettre dans l'embarras. La carte Visa est acceptée dans les commerces et restaurants à proximité de chez vous. Elle est la carte la plus souvent utilisée à travers le monde. Visa simplifie la vie. Amis sportifs, bonjour, ici Jean-Baptiste Lepied. Bienvenue sur le stade olympique pour le départ du 10 000 mètres steeple. Les athlètes s'échauffent. Ah non, ils prennent une légère collation avant de s'élancer sur la piste sous le regard d'un public enthousiaste. Les concurrents sont conduits sur la ligne de départ par les juges assesseurs. Le départ est imminent. Et c'est parti! Ah non, il semble que nul ne veuille prendre l'initiative de partir en tête. Et voilà, départ en trombe de l'Écosse Shetland, immédiatement suivi par tous les athlètes. La première haie est franchie par l'Écossais Shetland, puis par l'Espagnol Gigot. En troisième position, l'Éthiopien Kebab, suivi de près par l'Américain Sheepburger, puis par le gros du peloton, puis le Dossard, 1153, puis le Dossard, 1154, 1155, 1156, 1157. Une course splendide. 78e tour, les positions sont inchangées. 1148 Shetland. 1149 Gigot, 1150 Kebab, 1153 Sheepburger, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156. Ah oui. Tandis que la cloche signale la fin de la course, c'est Shetland qui vient de remporter le 10 000 mètres sous les ovations d'une foule en délire. Shetland, médaille d'or, médaille de bronze, Gigot, non, Sheepburger, non, bon, Gigot, bon, mes chers amis, désolé. Préparez-vous à aller là où aucun autre homme d'affaires européen n'est jamais allé auparavant. Dans l'espace. L'espace de l'aéroport. L'espace du lounge. Et dans un espace encore plus important. Celui des nouveaux sièges élargis de la classe affaires Club Europe. Le nouveau Club Europe de British Airways. Un pas de géant pour l'homme d'affaires. Au 24 septembre, grâce à la RTBF et aux journaux du groupe Vers l'Avenir, l'actualité de votre région sera commentée par les journalistes d'un jour. Ils ont entre 17 et 19 ans. Découvrez avec eux une autre Wallonie. Du 16 au 24 septembre, vous verrez leurs images en télé. Vous entendrez leurs reportages dans vos émissions régionales et sur Radio 2. Journalistes d'un jour. Avec le gouvernement wallon, le Crédit Communal, la Fondation Roi Baudouin et GoPass. Tous les vendredis à 20h jusqu'au 7 octobre, Madame Gertrude et Bernard Faure vous présenteront depuis Marrakech les meilleurs moments de l'émission Bon Week-end. Oh la mer. Une bonne façon de redémarrer une nouvelle saison remplie de surprises. Et n'oubliez pas, chaque semaine dans Femmes d'aujourd'hui, l'autre rendez-vous de Bernard et Gertrude. Avec Royal Air Maroc, Air Tour et Femmes d'aujourd'hui. Mmh.
Comme il y a 2 ans, le Danois Rolf Sørensen s'impose dans Paris-Bruxelles. Sporting d'Anderlecht, 1-0 seulement contre le Steaua de Bucarest. Vincent Rousseau prépare le marathon de Bruxelles. Mesdames et messieurs, bonsoir. Jadis, et bien jadis, Paris-Bruxelles, avec sa célèbre arrivée au Bois de la Cambre, était une des épreuves les plus attrayantes de la saison cycliste. Pas mal de grands champions, d'ailleurs, ont inscrit leur nom à son palmarès. Puis, la course des deux capitales, c'est ainsi qu'on l'appelait, a disparu du calendrier depuis quelques années. Elle a retrouvé vie et c'était aujourd'hui la 74e édition de Paris-Bruxelles. C'est à Noyon que les convoyeurs ont lâché les coureurs ce matin, des coureurs qui sont arrivés cet après-midi à Anderlecht. Michel Deville. Est-ce la dernière année d'une très longue époque de Paris-Bruxelles? On pense faire disputer la course un dimanche dès 1995. En attendant, la classique des deux capitales a bel et bien fini de susciter la passion d'antan et c'est presque dans la différence que le Danois Rolf Sørensen, déjà vainqueur en 1992, a remporté cette 74e édition devançant l'Italien Franco Ballerini de 8 secondes et le Britannique Yates, 3e de 16 secondes. Musée a pris la 4e place en réglant sprint. Le groupe des poursuivants à 1 minute 6 secondes du vainqueur. Pas de surprise, l'épreuve était bel et bien taillée pour les finisseurs. Et oui, une fois de plus, pas brillant, le Belge, pas brillant, le cyclisme belge cette année et cette semaine en football. Ça n'a guère été mieux, il faut bien le dire. Après les 3 défaites de nos clubs en Coupe de l'UEFA mardi, eh bien hier soir, dans la première rencontre de la Champions League, le Sporting d'Anderlecht, chez lui pourtant, n'a pu faire mieux qu'un nul face au Steaua de Bucarest. Déception, on espérait mieux de la part des champions de Belgique. Nous retrouvons encore Michel Deville. De la première période de jeu marquée par une carence de tir cadré, on retiendra d'abord cette intervention de Josip Weber. Le Steaua marque déjà ses intentions. Pandourou adresse ce tir à De Wild, mais le ballon survole la barre transversale. L'occasion la plus belle sera cependant anderlechtoise. Elle viendra de Johnny Bosman, isolé dans le rectangle, mais ici, le ballon va carrément percuter la barre transversale. À l'occasion gâchée, on ajoutera l'injustice, celle de voir cette faute roumaine sur Agdoron non sanctionnée par un coup de réparation. Rien ne tourne décidément pour le Sporting. L'injustice appellera cependant la chance. Car De Wild est tout heureux de voir ce tir rentrant d'Ilié, renvoyé par le poteau. Un coup franc d'Anderlechtois dans le dernier quart d'heure, Bosman brosse la balle de la tête en vain. Un incident viendra marquer cette rencontre peu emballante. L'exclusion de l'international Lakatu, qui n'empêchera pas les Roumains de procurer quelques derniers frissons à De Wild 0-0. Très mauvaise opération anderlechtoise. Oui, c'est vrai que c'est une petite déception de n'avoir seulement pris qu'un point aujourd'hui, mais je crois qu'on a joué contre une équipe qui est très, très, très difficile à manier. On a eu les occasions pour remporter ce match, mais c'est une équipe qui est toujours restée très, très dangereuse en contre et qui l'a montré en tirant une fois sur le poteau. Donc je crois que Bucarest a failli réaliser l'hold-up parfait. Mais je pense qu'au vu des occasions, le Sporting mérite la victoire, mais malheureusement, il n'y a que les buts qui comptent. Décidément, le football belge semble en crise après l'Antwerp, Charleroi et Serein. Anderlecht n'a que l'infime consolation de se dire qu'il a fait moins mal que les autres. Eh bien oui, c'est la consolation. Voilà donc pour Anderlecht avec Vincent Lagundries. Jetons maintenant un coup d'œil sur ce qui s'est passé dans les autres rencontres de la Champions League. Et tout d'abord, bien sûr, le match qui intéressait le plus les Anderlechtois, c'est-à-dire celui qui mettait en présence les 2 autres adversaires de leur groupe, Ajax Split et Benfica. À Split, Michel Preud'homme et Benfica n'ont pas eu trop de mal à compter. Un Tunisien découvrant ses premières pulsions amoureuses. Sur la une à 20h10, autant savoir la réforme scolaire. 20h40, l'ambulance. 22h20, ciné-club de minuit, Alpha Win, l'enfant des terrasses. 23h55, JT dernière. Sur 21, à 20h, concert d'ouverture de l'Orchestre Philharmonique de Liège. 22h20, résumé de Sligo Rovers FC Brugeois. 22h40, Champions League. 23h25, du cyclisme. Bonne soirée avec Uncle Ben's. Nouveau, la sauce curry d'Uncle Ben's. Une sauce exquise selon une recette surprenante aux épices indiennes, à la crème, aux raisins secs et aux légumes croquants. Et prête en quelques minutes. La sauce curry d'Uncle Ben's. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. Pour 995 francs par mois,
Visez juste. Canal+, ça va vous changer de la télé. Cette semaine dans Flair, le régime le plus simple du monde. La beauté pour moi, c'est d'avoir des cheveux brillants de santé. Moi, j'ai choisi la beauté Elsève. Le nouveau shampoing Elsève 2 en 1 de L'Oréal aux multivitamines santé E, PP, B5 apporte chaque jour, en profondeur, ses vitamines essentielles. Vitamine PP pour la vitalité, B5 pour la vigueur, vitamine E pour la brillance. Avec Elsève multivitamine, jamais mes cheveux n'ont été aussi brillants de santé. Nouvelle Elsève multivitamine de L'Oréal, des cheveux brillants de santé, jour après jour. Rochefort, le sourire de l'Ardenne. Retour vers la nature. Ce que la nature a créé durant des millions d'années, découvrez-le en une journée à Ans-sur-Lesse. Les grottes, le musée du monde souterrain, la réserve d'animaux sauvages, le spéléothème. Visitez le domaine des grottes de Ans. Passez, passez chez GB, grattez. Grattez un cuit d'eau et gagnez. Un produit GB. Pyramide de Brise. La beauté d'une forme pure. La fraîcheur raffinée d'un jardin enchanté. Le charme d'un parfum magique à respirer voluptueusement. Pyramide de Brise, un parfum de mystère. Brise, changez d'air. Chandelle. C'est un mot bruxellois, certainement. Ben ça, c'est dégueulasse un peu, ça. C'est quelque chose qui coule de ce côté-là. Pour moi, c'est un genre de stalagmite ou de stalactite. Des chandelles, un peu, voilà. Soit c'est la bave du nez. Et belle, c'est ce qu'on souffle, un ballon. Je pense au nez d'un enfant. Snotebel, à Bruxelles, mucosité nasale. Le dico-trottoir avec Dreft. À l'école, il y a encas et encas. Il y a de bons encas, mais trop lourds. Certains qui salissent. Et d'autres trop riches. Maintenant, il y a Kinder tranche au lait, nourrissant mais léger, fait avec de la farine, des œufs, du miel et du bon lait frais pasteurisé. Kinder tranche au lait, bon pour les enfants, sain comme le veulent les mamans.